quel jeu de merde, il m'embête. Jean-Pascal Lacoste se lâche complètement sur TF1. De passage dans une éclair dégainée, le chroniqueur de TPMP a évoqué sa participation à Splash en 2013. Il y a quelques jours, Maxime Guény a reçu une nouvelle personnalité dans une éclair dégainée sur... En effet, Jean-Pascal Lacoste a été interrogé sur son parcours à la télévision notamment ainsi que ses souvenirs de la Star Academy qu'il a révélé au grand public. L'interprète de l'agitateur, vendu à plus d'un million d'exemplaires, a évoqué en compagnie de son collègue ses premiers mois en tant que chroniqueur de Touche pas à mon poste. C'est un exercice un peu particulier parce qu'il y a un réel boulot de journaliste aussi. C'est pas mon boulot non plus, j'étais plus là en tant que sniper mais c'est plutôt agréable et chouette pour moi, a-t-il reconnu. C'est une vraie découverte, il y a une bonne ambiance, on bosse avec le sourire, c'est cool. Se passe très bien. Le comédien t'a parlé de son casting, particulier, pour participer à la première saison de la Starac. Le hasard m'a fait aller à la Starac. C'était un casting sauvage, ils sont venus avec des caméras sur la plage sur laquelle je bossais, ils sont restés tout l'après-midi et le soir je leur ai chanté Notre Père en basque, a-t-il expliqué indiquant qu'il avait opté pour cette prière afin qu'on le laisse tranquille. Un sabotage volontaire qui l'a finalement conduit à Damary Lillis. Mais de fil en aiguille je me suis retrouvé dans un château avec des gens qui faisaient des vocalises le matin. Un autre souvenir a été évoqué. Il s'agit de sa participation à Splash. Quel jeu de mardi, a-t-il lâché? Ils m'ont embêté F1. J'ai pris 10 000 euros pour le faire, un beau cachet qui aurait dû être plus élevé selon lui. Normalement sur un jeu comme celui-ci, on est sur des tarifs de danse avec les stars. Mais ils m'ont dit, il serait préférable que tu viennes et derrière ça va suivre, a-t-il dit reconnaissant s'être fait berner. Cette unique saison avait été remportée par Clément Lefer. Plusieurs célébrités telles que Kinu, Katrina Pachette, Sheriff Aluna, Yves Angeli, Christophe Beaugrand ou encore Laurie Tillman faisaient partie du casting. www.youtube.com/watch. Vegano 2KP7 World et la rédaction.